Salut à tous et à toutes, c'est Gian Catorzic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Gran Turismo 5, donc pour cette 100e vidéo. Et oui, ça fait déjà 100 vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé pour cette 100e vidéo de faire du drift sur le circuit Tsukuba avec la M3 GTR que j'ai ici. Voilà. Donc je l'ai acheté il y a quoi? Allez, 10 minutes, même pas. Je l'ai testé et franchement, c'est vraiment bien pour le drift. D'ailleurs, elle est bien reconnue pour le drift, cette BM. Donc je vous laisse voir ce drift. Donc c'est parti. Donc pendant que je drifterai, je vous parlerai en même temps, ne vous inquiétez pas. Même si ça risque d'être... Un peu dur parce que c'est pas comme sur Call of Duty ou quoi. Là faut vraiment se concentrer pour pas trop faire d'erreurs parce que ça serait un peu dommage quand même. Donc voilà. Donc oui, je tenais à dire aussi que ça fait 3 jours que je drift en manuel. Je dis bien en manuel, donc là c'est moi qui passe les vitesses hein. Donc ça fait 3 jours que je drift en manuel et ça doit faire à peu près un mois que je drift. Car avant je driftais en BMW M3 au début. Ma première voiture de drift c'était une BMW, non pas M3, M5, excusez-moi, BMW M5. Après ça a été une Mazda RX-7 et maintenant c'est une M3 GTR. Donc voilà, donc ça fait 2-3 jours que j'ai commencé à drifter en manuel. Et franchement, j'ai rien à dire, c'est vraiment... C'est 10 fois mieux de drifter en manuel qu'en automatique. On règle les vitesses comme on le veut, comme on le souhaite. C'est vraiment bien. Donc on va faire un deuxième tour, hein, je vous le dis. Un petit deuxième tour car c'est aller vite. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je pense que oui, parce que avec le petit montage, enfin pas un montage mais le petit truc que j'ai fait au début de la vidéo, plus ça que le drift. Je pense que ça peut... J'ai pensé que ça pouvait être pas mal pour cette 100e vidéo. Donc pour l'instant, je me débrouille plutôt pas mal. J'espère que ça va continuer. Donc franchement, cette BMW M3, je la conseille vraiment pour le drift. Parce que franchement, elle est vraiment bien pour le drift. Elle est 10 fois mieux que la RX-7 et que la BMW M5 que j'avais avant. Et voilà, c'est la fin de ce tour. Ces deux tours, du moins. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!